Avant de te crier dessus, elle mettait plein de café dans la bouche pour que son haleine soit horrible. Ensuite, elle te mettait la tête en face comme ça. Ça, c'est ta tête. Et ça, c'était elle. Elle te criait dessus comme ça. Est-ce que t'as fait tes devoirs? Les amis, si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de laisser des méga pouces bleus et d'appuyer sur la cloche. Et bien sûr, de s'abonner à notre chaîne. Amis, nous allons faire une FAQ, c'est-à-dire des questions et des réponses. C'est pour vous dévoiler des secrets. Des secrets. Mes secrets, non, 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 surtout pas. C'est pour vous aider à mieux connaître Verity. Chelsea, la team Chelsea veut te connaître. La team Chelsea, est-ce que vous voulez connaître des choses sur moi? Est-ce que c'est vrai ça? Si? Bon. Moi je ferai tout pour la team Chelsea. D'ailleurs je vous remercie. Oh my god, Verity, est-ce que tu as vu tous les commentaires? Oui, 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 il y en avait plein. Toutes plein et toutes les pouces bleus que vous avez laissés. Les amis, on vous adore. On adore notre communauté. Waouh, vous êtes des super, super, super cœurs. Et on vous fait des gros câlins comme ça. Et on vous remercie énormément parce que là, on voit que vous suivez toutes nos aventures et vous partagez vos idées avec nous. Donc aujourd'hui, on fait cette FAQ et en fait, Verity, c'est toi qui vas répondre à toutes les questions. Non. La prochaine fois, je vais répondre à quelques questions, mais aujourd'hui, c'est toi qui vas répondre à toutes les questions. On pourrait très bien y faire un tour de rôle. Donc, c'est-à-dire ensemble, toutes les deux. Oh, d'accord, Verity. Mais tu réponds à la première question, toi. Okay. Les amis, si vous adorez les questions-réponses, pour mieux nous connaître, laissez des méga pouces bleus maintenant. Pouce bleu. Et aussi, si vous adorez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, appuyez sur la cloche. Comme ça, vous ne manquerez jamais nos nouvelles vidéos. Il y aura combien de questions en total? Il y aura 10 questions. Donc, voici la première question, Verity. Dis-nous 5 activités sur ta bucket list d'été. Une bucket list, au fait, c'est un mot anglais. Ça veut dire ta liste de vœux. Quelle activité, quelles 5 activités est-ce que tu veux faire cet été? Je voudrais... Numéro 1. Numéro 1, je voudrais sauter dans une piscine. Sauter dans une piscine énorme? Wow. Ça c'est cool, ouais. Quoi d'autre? Numéro 2. Numéro 2, je voudrais... aller dans un parc d'attractions. Oh, une parc d'attractions. Faire des super roller coasters. Et d'autres ménages incroyables. Oh, ok, d'accord, ça c'est cool, hein. J'aime bien ta bucket list, ta liste de vœux. Et quoi d'autre? Je voudrais peindre mes ongles bleus. Faire un dernier bleu, mais Verity, t'as déjà un dernier orange. Là, je trouve que tu exagères avec tes derniers. Ça, c'était juste pour l'anniversaire de ta copine et tu m'as dit que tu n'allais plus faire des derniers. Oui, mais c'est sur un bucket list. Après, je voudrais faire une pyjama party avec mes amis, par exemple 3 amis. Inviter 3 copines pour passer la nuit ici avec toi? Oui. Oh, quelle horreur! Je sais très bien que toi et tes amis, vous allez faire plein de bruit, vous n'allez pas dormir, vous allez manger plein de friandises dans ta chambre. Et il y a quoi d'autre? Il te reste une activité. Pourquoi pas faire un Yes Man Challenge avec toi? Yes Man Challenge, c'est-à-dire je dis oui à tout? Oui. Non, je n'accepterai pas ça cet été. Pas du tout. Les Yes Man Challenge, oh, non, c'est pas bien. Les parents se font toujours avoir. Non. S'il te plaît, je suis sur ma liste de vœux. Oh, Verity, oh, ça me fait mal à la tête, juste penser à ça. Bon, on passe à la deuxième question. Ok? Est-ce que tu peux chanter une chanson de Little Mix? Une chanson de Little Mix? Oui. Oh, j'adore Little Mix. Oh, est-ce que je peux chanter leur musique? Oh, attends, il y a une chanson qui vient de sortir avec Anne-Marie. Already know how this goes, already knows how this goes. Give you my all, then you ghost, but when I'm gone you do the most. Yeah, why you only love me when I'm walking away? Only ever want me when I don't wanna stay. Love the feeling, hit indifferent, I'm not ever looking back. Wanna leave and see you staring. Go on, that boy, you can kiss my uh-oh, uh-oh, uh-oh. Oh là là, je pense que j'ai pas vraiment bien chanté, mais bon. C'est ça la chanson Little Mix avec Anne-Marie. Je pense que ça s'appelle Kiss My. J'adore cette chanson, c'est sublime. Bravo, Jessie, t'as quand même bien chanté. Oh, merci ma petite chouquette. La Game Variety, c'est la troisième question. Est-ce que tu peux lire cette phrase? Oh non. Mais il faut le lire, tu peux pas lire dans la tête, on n'entend rien, vas-y. Trois tortues, têtues, trottent en trottinette. Bah je pense que je peux mieux lire ça. Trois têtues, têtues, non. Trois tortues, têtues, trottent en trottinette. Trois tortues, têtues, trottent en trottinette. Trois tortues, tortilles, trottent. Non mais il faut le lire très vite. Trois tortues, têtues, non. Trois tortues, têtues, trottent en trottinette. Très vite. Trois tortues têtues, trottent en trottinette. Bravo Verity, je pense que t'as bien fait. Wouh. Bon Jessie, à toi. Dis-nous trois choses que tu aimes faire avec tes copines. Trois choses? Bah, j'adore passer du temps avec mes copines. Donc quand je suis avec elles, j'aime bien parler. Oui. On parle de tout, vérité. On parle de nos enfants, du travail, parce que tu sais, les adultes travaillent. Donc on parle du travail. Mais c'est pas intéressant. Si, c'est intéressant. C'est super intéressant. On peut aussi parler du shopping. Par exemple, si on a acheté des nouveaux vêtements. On parle aussi du maquillage. Oui, du maquillage. Par exemple, la dernière fois, j'étais avec ma copine. Elle m'a montré son nouveau rouge à lèvres qu'elle avait acheté. Ouais, parce que je ne le connaissais pas, ce rouge à lèvres. Tu sais, ils sont pas identiques des rouges à lèvres. Hein. Le maquillage, c'est très très important. Mais non, ils sont tous les mêmes. Bah non, vérité, c'est pas comme les glosses. Le maquillage est très complexe, donc on se parle du maquillage. Et la troisième chose qu'on fait aussi, c'est parfois, c'est danser. J'adore, oui, on met la musique et on danse. Toi, tu danses pas quand tu es avec tes copines? Non. Bah si, je t'ai déjà vu, bien si tu fais des TikTok et tout ça. Ouais, donc tu es pareil que moi, hein. Je te vois aussi parler et c'est vrai. Danser. Ok, à toi, tu me poses une question. Bah non, je te pose la question maintenant. Dis-nous trois choses amusantes que Tia Baby Boss fait. Trois choses. Ok, donc Tia Baby Boss, qu'est-ce qu'elle fait d'amusant? J'adore quand elle me répète, quand je dis quelque chose, elle répète. C'est vrai. Surtout, par exemple, si je dis le nom de Verity, par exemple. Elle dit oui. Oui, je dis Verity et Verity dit oui. Tia, ensuite, oui. En fait, je pense que oui, c'est l'un de ses mots préférés. Ok, ça c'est une chose. Quoi d'autre? La deuxième, c'est quand elle rampe sur les escaliers. Quand elle rampe sur les escaliers? Mais c'est interdit ça, Verity. Vous rampez sur les escaliers ensemble? Bah oui. Les amis, est-ce que vous aussi vous faites ça à la maison avec vos petits frères ou vos petites sœurs? Ramper sur les escaliers? Pourquoi c'est dangereux? Bah, c'est interdit, c'est surtout interdit. Non, Chelsea, je suis toujours derrière elle. Tu la protèges? Oui. Comme une super grande sœur? Oui. Oh, bah t'es trop chou, Verity. Merci. Je sais que Tia Baby Boss est toujours en sécurité avec toi. Mais ne montez plus sur les escaliers, hein. Et la troisième chose? La troisième chose, c'est quand elle essaye de marcher vers moi. La troisième chose amusante que tu adores chez Tia Baby Boss, c'est quand elle essaye de marcher vers toi. Pourquoi tu trouves ça amusant? Parce que c'est trop chaud. Parce qu'elle balance comme ça. Elle prend des pas un peu bizarres et ensuite elle te tombe dessus. Ouais, c'est vrai, elle est vraiment chouette. Tia, on t'adore. À toi, Justin. Donc ce sera... Quelle est ta pire en matière à l'école? Mais Vérity, je ne suis pas à l'école. Cette question est plutôt pour toi. Non, mais avant. Avant, quand j'étais à l'école? Oui. Oh là là, bah, oh oui, je me souviens. La pire matière pour moi, c'était l'allemand. Parce qu'au fait, mon prof d'allemand était aussi un clown. Elle était moitié clown et moitié prof d'allemand. Quoi? Bah oui, elle nous avait dit ça un jour. Parce qu'on ne comprenait pas pourquoi elle était super méchante. Et un jour, elle nous a dit que... Parce qu'on faisait toujours des blagues en classe. Elle nous a dit qu'on n'était pas drôle. Et on a dit, bah comment tu sais qu'on n'est pas drôle? Elle a dit parce qu'elle était clown. Et on a super flippé. Oui, imagine! Elle était grande, avec des cheveux bizarres, un peu orange. Et après, on a remarqué qu'en fait, elle avait des cheveux de clown. Oui, c'était mon matière, le pire matière. Non, en fait, il y avait aussi la géographie. Parce que le maître, et encore une maîtresse, hein, la maîtresse de géographie, je ne vais pas dire son nom, hein, au cas où elle regarde cette vidéo, mais elle nous criait dessus. Avant de te crier dessus, elle mettait plein de café dans la bouche pour que son haleine soit... horrible. Ensuite, elle te mettait la tête en face comme ça. Ça, c'est ta tête. Et ça, c'était elle. Elle te criait dessus comme ça. Est-ce que t'as fait tes devoirs? Et ensuite, moi, quand elle me criait comme ça, je faisais... Il fallait tenir la chaise comme ça pour ne pas tomber en arrière. Oui. Donc, en fait, l'allemand et la géographie, j'avais deux matières. J'avais peur avant d'aller en classe. Toutes les enfants allaient d'abord aux toilettes parce qu'on avait peur de se faire pipi dessus quand on nous criait dessus. Donc les toilettes étaient toujours pleines. Ouais. Et toi? Est-ce que t'as des pires matières? Mais j'ai pas à répondre à cette question. Mais Verity, j'aimerais quand même savoir. Non, c'est personnel. Bah non, dis-nous, allez. Non. C'est quoi ta pire matière? Donc, ok, je vais dire. Donc, en fait, c'est en sport. La maîtresse de sport, elle est trop bizarre. En fait, chut, non. Toi, tu es toujours à l'école, peut-être elle te regarde. Oh, non. Non, c'est pas vrai. Verity adore le sport. C'est génial. Écoute, Verity, il ne faut pas dire ça parce que, en fait, je pense qu'elle regarde ta chaîne. Oui, elle connaît le nom. Une erreur. Oh non. Oh ok, non. Attends, je sais ce qu'on va dire. On va dire que c'est le matière que tu préfères le plus. Oui, okay, oui, attends, oui. Attends. Les amis, on s'est trompés. On voulait dire la matière que j'adore le plus. Oui, Verity adore le sport. Il y a la meilleure maîtresse de toute la planète. Oui. Au cas où elle regarde. Ok, c'est à moi maintenant. Montre-nous tes baskets, Verity. Ouh, des baskets. Elles sont ici. Et oui, Verity a gagné ses baskets dans un swap. Et on les voit pas. Elles sont trop cool. C'est des baskets bleues, Feel-Eyes. Tu les adores? Oui, je les adore. Elles sont un peu sales, je trouve. Hein. Mais ça va. Ouais, Verity les porte tout le temps. Allez, Chelsea, montre-nous aussi tes baskets. Oh là là. Les miennes sont ici. Oh, elles sont jolies. Ouais, c'est sympa. Hein. Ce sont des Nike. Oh. Je les adore. Super cool. Alors, compte de 20 à 0. En arrière? Oui. Oh là là. Ah, c'est fastoche. Mais arrête de réfléchir, Josie, dépêche-toi. 20. Alors 19. 18. 17. 16. 15. Oh 14. 13. Mais dépêche-toi. 13. 13 après quoi? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quoi? T'as dit 20, 19, 18... Ok, non, là je n'écoute même pas. Vas-y, fais-le toi. Parce que apparemment tu penses que je n'ai pas bien fait. Je sais que je l'ai bien fait. Fais-le. 20, 17... Oh, oh. Non, t'es pire. Non, mais oui, 20, 17, 20, 17, 20, 17... 20, 19, 18, 17, 16, 15... 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 6, 7, 1, 4, 3, 1, 0. Non. On a toutes les deux échoué. On n'arrive pas. Non, si, c'est vrai. Non, moi j'ai réussi. La première fois, t'as quand même dit 27. Hein. C'est super difficile de compter en arrière de 20 à 0. C'est plus facile de faire l'inverse. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça c'est facile, mais 20 blablabla, c'est difficile. Donc on a échoué ce challenge. Verity, dis-nous 3 choses que tu vas faire cette semaine. Cette semaine, je vais aller faire une soirée pyjama avec mes amis. Verity, samedi, tu n'es pas allée à la piscine. Quoi? Verity, tu n'es pas allée à ton cours samedi. Oh non! Ton prof va être super en colère avec toi. Non. Mais pourquoi t'es pas allée? Oh, j'avais oublié. Il faut jamais louper ses cours. Surtout les cours d'été, comme la natation. Il faut perfectionner la natation, Verity. Bon, en tout cas, dis-nous 3 choses que tu vas faire cette semaine. Je vais aller dormir chez une de mes copines pendant... Puis... Je suis pas d'accord avec ça. Quelle copine? Tu m'as même pas demandé la permission. Mais elle vient me chercher. Verity va faire un pyjama party cette semaine? Oui. Quoi d'autre? Nettoyer la cage de Justin et Bieber. Nettoyer la cage de Justin et Bieber, c'est 2 cochons d'Inde. Oui, c'est toujours très sale. Oh. Et je voudrais que tu me commandes un nouvel iPad. Je commande un nouveau iPad? Le iPad 12 Pro. iPad? Oui, il ressemble à l'iPhone 11 ou 12. Mais c'est quoi ce... Non. Pourquoi? Non, c'est pas une activité ça. Mais si, je te demandais et tu me le commandes. Non, Verity. Alors, des nouveaux AirPods, des AirPods Pro. Je voudrais quelque chose Apple. Oh, tu me stresses. Mais s'il te plaît, Chelsea. Bah non, c'est pas un Yes Man Challenge là. Non. Ça, c'est la dernière question. Quel est ton jeu préféré sur Roblox? Mais pourquoi tu rigoles? Mon jeu préféré sur Roblox? Oui. Au fait, j'aime bien aller dans les magasins et acheter des nouveaux vêtements. Et aussi changer de coiffure. Ça, c'est pas les jeux. Quoi? C'est pas les jeux. Mais c'est ça que j'adore? Oui, c'est pas le but du jeu. C'est quoi? Dis-moi donc un jeu sur Roblox. C'est quoi ce... Me, Brick, Heaven, Blocks, But House, How to Have, Mystery, Mix City, the Mystery Team, the Mystery One. Mais quand est-ce qu'on va dans les magasins alors pour se changer les coiffures? Bah c'est quand tu veux, regarde, attends je te montre. Tu as Roblox ici? Mais Verity, t'as Roblox partout. Mais oui, parce que c'est mon compte, regarde. Mais attends, tu as Roblox sur tous les écrans, sur les téléphones. Non mais là, Verity, tu exagères. Regarde, c'est ici la petite... Tu as souvent cet ordinateur pour faire des devoirs. Donc c'est ça que tu veux? Hein, Verity? Non, je log out. Je sors de mon compte des fois. Verity, tu es connectée partout, sur tous les écrans de la maison, sur Roblox. C'est pas possible ça. Là, c'est terminé ce jeu. Là, je suis très énervée. Mais tu as dit... Non, Verity, au revoir les amis. C'est le premier appareil où j'ai eu Roblox et je peux pas y enlever. C'est connecté, maintenant je peux juste pas y enlever. T'es sûre? Oui, c'était le premier appareil. Regarde, je peux pas en fait. Bon. Au revoir les copains, les copines, si vous avez bien aimé notre vidéo, n'oubliez pas un pouce bleu, abonnez-vous et appuyez sur la cloche. Et si vous aimez nos vidéos, pourquoi pas aller sur notre chaîne et regarder plein d'autres vidéos que vous n'avez pas encore vues. Il y en a toutes plein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au revoir mes kitties. Miaou. Oh